Barbie et Ken vont avoir un enfant. À quoi ressemble leur cours prénato? Regarde Lalilou pour le découvrir. On va faire un ventre de femme enceinte pour Barbie. Utilise un œuf en polystyrène. Coupe-le en deux. L'œuf n'a pas la bonne forme. Coupe le surplus de polystyrène. Forme un ventre. Couvre l'extérieur de l'œuf avec de la pâte à modeler. Ajoute une petite perle en guise de nombril. Mélange de la peinture acrylique pour obtenir la couleur de peau de Barbie. Couvre la pâte à modeler de peinture acrylique. Le ventre est prêt! Prends du scotch double face. Coupe un morceau. Colle-le à l'intérieur du ventre. Et colle-le sur la taille de Barbie. J'adore mon nouveau ventre! On va aussi faire un ventre rond pour la copine de Barbie. Je rêve d'avoir un bébé depuis des années! Utilise un ballon pour faire un maillot de bain. Fais des trous pour les jambes et découpe un décolleté. Quel joli maillot de bain pour notre poupée enceinte! Utilise un ballon vert pour faire un maillot de bain pour sa pote. Barbie, quel beau maillot! Le rose, ça fait vraiment ressortir tes yeux. J'adore aussi mon maillot. Barbie a besoin d'une nouvelle coiffure pour ses cours de natation. Brosse ses cheveux. Attache une queue de cheval avec un élastique en silicone. Puis fais un chignon. Utilise un bracelet en silicone comme bandeau. Ma nouvelle coiffure est parfaite pour aller nager. Barbie a aussi besoin de nouvelles chaussures pour la piscine. Prends du papier mousse de deux couleurs différentes. Détourne les pieds. Découpe-les. La pièce principale de nos tongs est faite. Découpe deux bandes de papier mousse identiques. Et colle-les sur la semelle. On a fabriqué une paire de tongs super confortable. Fabrique une autre paire, mais utilise une couleur différente. Prends un couvercle de boîte de fard à paupières. Chauffe la lame d'un cutter. Coupe le couvercle comme ceci. Couvre les bords avec de la peinture acrylique noire. Imprime des images de balance sur du papier autocollant. Découpe-les. Retire le film protecteur. Fixe l'image sur le couvercle. Les balances sont prêtes! Voyons à quel point mon bébé a grossi. Je vais faire une blague à Barbie. Oh, mais comment c'est possible? J'ai pris tellement de poids. Oh mon Dieu! C'était une blague, Barbie. Je recommencerai plus. Prends un ruban décoratif avec des mesures. Maintenant, on a un ruban à mesurer pour le ventre de notre future maman. On va transformer une balle en plastique ordinaire en ballon d'exercice. Prends de la pâte à modeler. Pétris-la. Fais des poignées et fixe-les sur le ballon d'exercice. On va faire plusieurs couleurs de ballons d'exercice. Et maintenant, on va s'entraîner avec nos ballons. Travaillez les muscles de vos jambes et de votre dos. Il ne faut pas oublier les exercices pour la colonne vertébrale non plus. Une maman en bonne santé aura un bébé en bonne santé aussi. Prends plusieurs carrés d'éponge. Coupe un morceau comme celui-ci. Utilise-le pour couper d'autres morceaux de même taille. On a maintenant trois tapis de yoga. Notre cours de yoga prénatal peut commencer. La respiration et la relaxation, ce sont les bases de la méditation. Utilise un morceau de tissu pour faire des oreillers. Dessine un oreiller sur un morceau de tissu à imprimer floral. Découpe deux pièces. Colle les bords ensemble. Retourne-le à l'endroit. Roule une beauty blender. Mets-la dans la tête d'oreiller. Colle les bords ensemble. Fais des oreillers d'autres couleurs. La chambre de notre future maman est prête. C'est l'heure de faire une sieste. Ah, mon oreiller préféré. C'est tellement confortable pour mon gros ventre. Fais de beaux rêves. Ken a passé toute la journée avec Barbie pendant les cours prénataux. Il n'arrête pas d'y penser. C'est impossible. J'ai un gros ventre. Oh, je suis enceinte. Ken, tu seras un super papa. Je peux sentir le bébé donner des coups de pied. Ah, c'était qu'un rêve, mais tellement réaliste. C'était pas un rêve, je suis vraiment enceinte. Ken, réveille-toi, tu viens de faire un cauchemar. Oh, Barbie, je viens de faire un rêve tellement dingue. Nager, c'est beaucoup plus intéressant quand tu as des frites de piscine. On va emprunter des bigoudis flexibles à une poupée Bratz. Prends deux bigoudis,
pliez-les en forme de U. Ces frites de piscine nous seront super utiles. Jette-toi à l'eau maintenant. Prends une boîte en plastique transparente. Retire le couvercle. Prends du plastique autocollant bleu. Marque la hauteur de la boîte. Coupe le papier. Retire la couche protectrice. Colle le film autocollant sur les côtés de la boîte. Laisse un côté de la boîte découvert. Couvre le couvercle avec du plastique. Prends une guirlande de LED et décore les bords de la boîte. Mets du ruban décoratif rose sur les côtés du couvercle. Retire les poignées. Pose la boîte sur le couvercle. Remplis-la d'eau. On a des galets en verre de toutes les couleurs. Verse-les dans l'eau. Ajoute des Orbeez. Prends des autocollants du monde marin. Décore la boîte avec. Ah, la natation, c'est tellement apaisant. Je pourrais nager toute la journée. Il est maintenant temps de faire une pause. Coupe une partie d'une vieille serviette rose. Découpe une bande carrée. Découpe la même pièce dans une serviette bleue. La base de nos serviettes pour poupées est prête. Prends deux couleurs de fil. Enroule les couleurs ensemble et fais une tresse à l'aide d'un crochet. Noue-les et coupe l'extrémité. Fais quatre tresses identiques. Couvre les côtés de la serviette avec de la colle chaude et fixe les tresses dessus. On va donner à Barbie une serviette douce et bien chaude. C'était une super baignade! Ouh, ça caille! Je suis tellement contente d'avoir apporté ma serviette préférée. On va imprimer un petit livre sur la parentalité. Coupe des bandes de même longueur. Plie-les comme ceci. Applique de la colle au dos du papier. Joins deux bandes avec de la colle. Relie les pages ensemble. Fabrique trois livres. Presse les lignes de pliage d'un dos de livre sur du carton. Ajoute de la super glue. Colle les pages dedans. Utilise un ruban en satin comme marque-page. Colle le marque-page entre la couverture du livre et la dernière page. Notre livre est presque terminé. Découpe quelques illustrations. Colle-les sur la couverture et ajoute-en dans le livre lui-même. Ces livres sont petits, mais ils regorgent de conseils vraiment utiles. Bonjour les futures mamans et futurs papas. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être les techniques de respiration. Ouvrez le livre au bon chapitre, lisez et entraînez-vous. Nos femmes enceintes ont fait un bilan de santé. J'ai pris du poids. Ken, notre bébé grandit chaque jour. On va mesurer ton ventre. C'est parfait pour ton trimestre. Félicitations. On a besoin d'un stylo correcteur. Utilise un capuchon en plastique. Prends des pièces Lego. Joins-les entre elles. Fixe la pièce transparente au milieu. Utilise de la colle chaude. Installe le capuchon dessus pour faire un mixeur. Démonte une lampe de poche cassée. Retire le bouton en silicone et colle-le sur le Lego. Mets le mixeur à l'intérieur de l'autre pièce. Prends un fil en plastique provenant de la lampe de poche et colle-le sur la base. Taille l'autre bout pour faire une prise. Prends une pince à cheveux et retire la partie ronde. Couvre le mixeur avec un couvercle et colle une pièce Lego. On a maintenant un nouveau mixeur à la maison. On va faire un smoothie. Tranche une pomme. Ajoute une banane. Et du lait. Lance le mixeur. Un milkshake sain est prêt pour ma copine et moi. Goûte. Miam, c'est trop bon! Imprime quelques pages de calendrier. Coupe un sac en plastique. Glisse les pages du calendrier dans de petites poches. Coupe le plastique en trop. Fais des trous dans les coins supérieurs. Passe des anneaux dedans. Fabrique deux calendriers et ajoute des images sur la couverture des calendriers. Un calendrier, c'est hyper utile pour suivre sa grossesse. Voici toutes les étapes du développement de votre bébé. Et ça, c'est des calendriers pour suivre chaque jour de la grossesse. C'est tellement pratique pour suivre la croissance de bébé. Quelle partie de notre vidéo tu as préférée? La piscine Barbie, le maillot de bain, le mixeur ou les livres pour bébé? Like notre vidéo, abonne-toi à Lalilou et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.